es probablemente el texto más conocido, sagrado para millones de personas a través del orbe y del tiempo. Los franceses Rebecca d'Otremer y Philippe Lechermeyer, ilustradora y escritor, crearon una Biblia en el que se dieron a la tarea de plantear una edición, cuyo objetivo es explorar el universo literario contenido en el libro fundamental del cristianismo. Notre envie était de nous emparer des histoires que tout le monde connaît ou prétend connaître et de pouvoir proposer aux gens qui justement ont entendu parler de la Bible mais qui n'ont pas vraiment toujours, qui ne connaissent pas tous les détails ou comment les choses s'articulent, etc., de leur proposer une version qui leur permettrait de redécouvrir avec aussi un plaisir de lecture et de littérature et le plaisir aussi des images. Philippe Lechermeyer ha trabajado biografías históricas sobre Napoleón y Robespierre. No obstante, define su trabajo en una Biblia como si descendiera a una mina, que representa nuestro pasado, y ahí se diera la tarea de buscar piedras preciosas, diamantes en bruto, que luego se da a la tarea de pulir para develar su mayor belleza. Ce qui m'intéresse, c'est dans la Bible, quand j'ai lu la Bible, différentes traductions, c'était de repérer les histoires qui avaient le potentiel le plus fort pour moi, d'un point de vue narratif, et de m'en emparer, et avec mes mots, avec des formes que j'essayais, différentes formes littéraires, de donner le plus de force à ces histoires. C'est une métaphore que j'utilise souvent, c'est vraiment quand j'ai relu la Bible, je me suis rendu compte de la force des histoires qui étaient présentes dans ce texte. Et je trouvais dommage que certaines soient un petit peu enfouies dans le passé ou noyées par différentes traductions. Una Biblia apareció en Francia en el otoño de 2014 y simultáneamente en coediciones en España, Italia y Alemania. Rebecca d'Otremer trabajó las imágenes en técnicas mixtas. Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté un peu plus grande que pour d'autres histoires parce qu'il y a l'aspect sacré du texte. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, on ne peut pas gommer cet aspect-là, cet aspect sacré. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin de temps pour m'emparer des textes et puis pour oser représenter les choses. Moi je suis née dans une famille très catholique, très pratiquante, je me suis éloignée de tout ça. Mais il n'empêche, je garde du respect pour ces histoires-là. Quand la Bible est sortie en France et puis dans les tournées de promotion qu'on a pu faire, de rencontres, j'ai rencontré énormément de gens, donc des gens très croyants, comme des gens qui étaient absolument, qui étaient très athées, voire des gens très anti-religieux. Et donc tous ces gens-là, c'était intéressant parce que chaque fois qu'il y a une dédicace, souvent je dédicace d'autres livres, mais une dédicace d'une Bible, en général les gens viennent et racontent leur rapport à ce texte. Una Biblia aparece bajo el sello Edelvives. Noticias 22, Víctor Gaspar.